Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un vélo pliable à assistance électrique qui fait même quasiment scooter. Bon, c'est le Engway EP2 Pro. Bon, comme d'habitude sur la chaîne, je vous présente le vélo en détail, on fait un test complet, test d'autonomie et tout. Et voilà, on est dans la rubrique « J'ai reçu ça aujourd'hui » puisque sur la chaîne, on fait des voitures, des motos, des vélos, des trottinettes, tout ce qui roule, tout ce qui est de la mobilité en général. Donc, j'ai reçu ça. C'est des marques qui me contactent pour m'envoyer des choses, pour que je vous fasse des reviews. Et moi, j'adore. Donc, s'il y a d'autres marques qui veulent m'envoyer des trucs, n'hésitez pas. Tout ce qui roule, tout ce qui bouge, je suis chaud. Le vélo, le Engway EP2 Pro, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un vélo, comme on peut le voir juste ici, pliable. On peut plier le guidon, on peut plier le cadre, on peut replier les pédales ici, on peut enlever la batterie puisque tout ça c'est le compartiment batterie juste ici, on peut régler la hauteur de la selle, on a un garde-boue, on a pas mal de choses sur ce vélo qui en fait quelque chose de très pratique. On peut vraiment mettre la selle très très basse, donc ça fait en sorte que le vélo convient vraiment à des personnes de toute taille. Je peux l'utiliser de cette façon. Si je veux l'utiliser juste en mode chill, façon scooter, je peux laisser assez bas, ce qui est plutôt pratique. Sinon, pour faire un peu plus de route, je peux relever la selle. On verra pendant ce test, je fais un test d'autonomie en 100% électrique, puisque regardez, ici, j'ai un accélérateur. Oh là là ! Vous avez vu, c'est quand même assez puissant. Donc, il démarre de cette façon avec l'accélérateur ici. Et ensuite, je peux pédaler grâce au capteur dans le pédalier. Il va savoir que je pédale et avoir l'assistance électrique. Il est annoncé pour entre 50 et 60 km en 100% électrique. Alors moi, je fais 75 kg. Le poids du passager va forcément jouer. Plus vous êtes lourd, moins ça va rouler. C'est normal, hein, c'est comme une voiture. Plus elle est grosse, plus ça consomme. On est pareil sur l'électrique ou les trottinettes ou les vélos, etc. Je vous fais un test de consommation dans cette vidéo. Et en assistance électrique, il est donné entre 100 et 120 km. Alors pareil, je vous fais un test. Au début, je commence avec le mode assez lent, donc aux alentours de 20 km/h. Ensuite, je vais accélérer un petit peu, parce que c'est vrai que c'était quand même assez long. Et vous allez voir, durant ce test, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires combien vous pensez que je vais réussir à faire en 100% électrique et en assistance au pédalage. On va parler des choses un petit peu plus techniques. Bon, le vélo est disponible en 3 couleurs. On l'aura soit en orange, soit en gris, soit en noir. Aujourd'hui, c'est la version grise ici. Plutôt discrète, l'orange c'est vrai qu'il pète assez, j'aurais bien aimé parce que c'est vrai qu'il a quand même un sacré clinquant. On est sur des roues en 20 pouces à l'avant et à l'arrière, on est sur des jantes métalliques, on a le moteur 750 watts ici à l'arrière, des pneus en 4.0 de large, ce qui est quand même très très gros, hein, comme on peut le voir juste ici, c'est des pneus de fat bike, donc ce qui est marrant c'est que c'est une sorte de fat bike pliable électrique Pocket City, au top. Deux freins à disque mécaniques ici, par câble, donc on active avec deux grands leviers. Le freinage est plutôt bien, quand il est neuf, n'hésitez pas à faire le rodage des plaquettes. Au niveau de l'assemblage, on reçoit un carton. Regardez, je vous mets le déballage avec un petit time-lapse accéléré de quand je monte ce vélo. Donc on sort du carton, il y a pas mal de riselants à couper et ensuite on fait l'assemblage petit à petit. Donc on va monter le guidon, on va monter la roue avant, on va pouvoir mettre la selle, les garde-boue, le feu arrière, le feu avant et le porte-bagages, ce qui nous permet en plus avec les pédales d'avoir un vélo ensuite complet. Dans la vidéo, je vous montre, j'ai monté le guidon à l'envers, donc il suffit juste de le retourner, c'est une vis. Voilà, il est monté, il y avait quand même pas mal de petites choses à faire. Conseil, si vous ne savez pas monter un vélo tout seul, emmenez-le dans un magasin parce qu'il y a quand même pas mal de pièces de sécurité à faire, comme le guidon, la potence ici, les garde-boue, les lumières, etc. Pas si facile que ça. On a ensuite ici, à l'avant, une fourche suspendue. Alors, il ne nous donne pas le débattement exact, mais moi, je supposerais qu'on est sur 60 mm de débattement, ce qui est largement suffisant. Après, les pneus, à vous de savoir si vous voulez les gonfler plutôt bien pour pouvoir rouler plus efficacement ou si vous voulez les dégonfler un petit peu pour avoir un petit peu plus de confort et d'amorti. Ne les dégonflez pas trop parce que sinon, vous allez aller pincer la chambre à air lorsque vous allez taper. Mais si vous les gonflez trop, ça va être un petit peu moins confortable sur l'arrière surtout. Autant l'avant, c'est pas gênant puisqu'on a une suspension. Autant pour l'arrière, ça pourrait peut-être être un petit peu plus rigide. Alors, ensuite, pour le plier, on tire ici, donc on appuie, on a une sécurité, je l'ouvre et le vélo se plie de cette façon. Comme vous pouvez voir, ça se plie vraiment très facilement. Donc je peux plier ça, ensuite je peux replier
également le guidon. Hop, ça. Tac. Alors, je peux le ranger différemment, mais on peut plier ça. Donc, cette partie. Et ensuite, je peux plier les pédales en tirant juste ici et en repliant les pédales pour qu'ils prennent le minimum de place possible. Alors, à la limite, dans une grosse valise, j'en suis sûr que ça rentrerait. C'est plutôt pratique. Surtout si vous habitez dans un petit appartement et que vous voulez rentrer le vélo, ça peut être utile. Et pour le redéplier, hop, de cette façon. Alors, c'est assez lourd, mais ça se fait bien. Ensuite, ici, lorsqu'on est à l'intérieur, on retrouvera la batterie. La batterie qu'on peut démonter grâce à la clé ici. Il me suffit de tourner la clé, ça va me déverrouiller le petit loquet qu'il y a ici. Et ensuite, je peux la tirer pour pouvoir la recharger à domicile, par exemple. Et ensuite, je referme. Et je remets la sécurité. Donc, tous les avantages d'un vélo pliant avec l'assistance électrique. On a du fat bike qui nous permet d'aller quasiment partout, rouler dans le sable, dans la neige et en ville avec un peu plus de confort. Au niveau de la batterie, on est sur une 48 volts 13 ampères heure. Bon, je ne veux pas vous spoiler pour que vous regardiez un petit peu la vidéo, mais vous allez voir, l'autonomie est plutôt correcte. Au niveau du temps de recharge, il faudra compter une nuit. Alors, je n'ai pas vu exactement combien il fallait, mais entre 6 et 9 heures pour recharger complètement cette batterie avec le chargeur qui est fourni. Pour la recharge, on a de ce côté-là une petite ouverture qui nous permet de recharger le vélo également quand la batterie est insérée dans le cadre. Moi, je le laisse comme ça puisque j'ai la chance de pouvoir, dans le garage, pouvoir connecter mon chargeur directement ici. Ensuite, on a un cadre qui paraît plutôt solide. Le garde-boue ici que j'ai fixé, pareil, qui sera bien pratique. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Vous pouvez transporter quelqu'un ici. J'ai vu des vidéos où sur ce vélo, ils essayaient à deux personnes. Au niveau des spécifications de la vitesse, on a 5 vitesses. Le vélo peut aller jusqu'à 45 km/h. Alors, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est réglementé à 25 km/h. Donc, vous pouvez régler 25 km/h maximum. Il ne faut pas dépasser normalement. Sinon, on a des feux à l'arrière, des feux à l'avant, une bonne visibilité. On a juste appuyé sur le petit bouton ici pour les allumer. Et je vous montre le poste de commande juste ici. Allez, regardez, je vous le remontre un petit peu comme ça. Donc, il a un petit look très très sympa. J'ai pas mal de personnes qui m'ont dit dans la rue, waouh, il est super cool ton vélo. Et c'est vrai qu'il est hyper atypique. J'adore parce qu'il est quand même balèze en plus avec ses grosses roues, tout petit. C'est très très fun. On a le Shimano tourné ici pour le dérailleur arrière, 7 vitesses. Alors le tourné, c'est pas du haut de gamme, mais l'avantage de ce dérailleur, c'est qu'il coûte pas cher et surtout qu'il est très solide et très facile à régler. On a une chaîne normale, un gros plateau à l'avant, monoplateau et les 7 rapports à l'arrière. Les petits catadiopes qui sont obligatoires. On a le Enway, le Power Live, le EP2 Pro marqué juste ici, la clé donc, dont je vous parlais juste avant, le système de verrouillage pour le cadre, pour le pliage. Donc ici, on déverrouille là et ensuite, on ouvre le petit loquet ici que vous voyez pour la batterie qui bloque métalliquement de cette façon. Donc si les gens n'ont pas la clé, ils ne pourront pas vous piquer la batterie et pareil, ils ne pourront pas l'utiliser si vous n'avez pas de la clé parce que la clé ici démarre le vélo. Donc comme une voiture, hop, je démarre et ensuite, je pourrai activer le module électrique. Au niveau du guidon, on a des poignées ici plutôt confortables. Alors, je vous avoue, elles bougent un petit peu de Coca-Cola à l'intérieur pour les coller. Ce serait la petite technique pas chère. Le guidon, je peux le régler en hauteur également. Alors ça, c'est quand même assez fou. On a tous les réglages possibles et imaginables sur ce vélo. Ici, le pliage du guidon avec une sécurité qui vient bloquer l'attache rapide ici. Le guidon qu'on peut relever, comme je vous montrais, la petite sonnette. Ici, les modes. Donc ça va être toutes nos touches. On a une touche ici info, la touche lumière, la touche pour allumer juste en dessous, donc l'écran. Hop, là je l'allume. Et voilà. Ensuite, je peux régler ma vitesse. Donc là, vous pouvez voir 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai déjà fait 100 km avec. Là, la batterie est rechargée à fond. Donc j'ai un petit peu roulé, hein, 100 km en vélo. Ça fait déjà une belle petite balade. De ce côté-là, on a le dérailleur, enfin la manette ici pour le dérailleur. Plus, c'est plus dur et je peux remonter comme ça. Donc en vrai, c'est vraiment plutôt pas mal. J'aime bien, c'est facile et très intuitif. Plus, c'est pour aller plus vite. Les freins, donc ces leviers juste ici avec une bonne prise en main. Et ensuite, tous les câbles qui vont aller du petit écran de contrôle avec les freins et les dérailleurs jusqu'à l'intérieur.
la petite lumière ici à l'avant, la fourche qui est réglable en dureté ici, et je peux même la bloquer. Alors ça, c'est quand même un vrai plus de pouvoir faire ça. Si vous êtes en montée, bon, après, il n'y a pas énormément de trucs. Et en plus, surtout, on a un vélo avec une assistance électrique, donc pas mal. Et quand même beau, regardez, avec l'eau derrière et tout, le petit lac, ça donne envie d'aller se balader. Autre chose très importante, cette selle, elle est ultra, ultra confortable. Regardez, c'est un gros, gros avantage. 100 km avec, eh ben, j'ai pas du tout eu mal aux fesses. Très, très agréable. Cet écran ici, vous allez pouvoir régler tous les détails du vélo. Donc, on a la vitesse en km heure, le rapport engagé, on va dire, l'aide d'assistance. Donc là, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc selon les vitesses, je vous montre pendant le test, on peut aller jusqu'à 45 km/h en assistance électrique. Et ici, donc, alors, je vais me remettre à zéro parce que sinon il va démarrer la poignée d'accélérateur. Donc hop, je peux accélérer comme sur une moto. Et ça, c'est vraiment très très cool. Parce que soit je vais pédaler, soit je vais vraiment m'en servir comme un scooter. Et ça, si vous êtes fatigué le matin pour aller au boulot, par exemple, vous n'avez pas envie, ben vous prenez ça et vous allez directement. Sans bruit, en accélérant, et vous pouvez faire croire que vous pédalez au cas où. Mais vous n'allez pas pédaler. Bon, je pense que l'idéal maintenant, ça va être d'aller l'essayer, ce vélo, parce que ça a l'air très très cool. On part en balade, on fait le test d'autonomie en 100% électrique, sans pédaler, et on fait le test en pédalant. Ça fait un petit peu de kilomètres. Bon allez, c'est parti, le vélo est chargé à fond. Donc, batterie remplie à 100%, je l'ai déjà vidé. Pour vous montrer exactement, j'ai fait 34,7. Alors ça, il avait déjà 600 mètres lorsque je l'ai récupéré. Donc en gros, 34 km juste avec la poignée d'accélérateur en poussant la vitesse à fond. Donc vitesse 5 sans jamais pédaler. 34 km, c'est juste énorme, surtout que c'est jusqu'à 40-45 km/h en descente. Donc très très bonne statistique. Donc cette fois-ci, hop, j'enlève la béquille et je vais faire seulement pédaler. On va tester l'autonomie, ils annoncent jusqu'à 100 km. Moi je pèse 75 kg, donc c'est pas très très gros, mais c'est pas les plus légers non plus. Donc on a les deux freins à disque, tout est bien réglé, tout est bien assemblé, c'est parti. Donc je vais commencer mode 1 pour vous montrer à quoi ça ressemble, et ensuite on va essayer tous les modes. Donc on a toujours soit la gâchette d'accélérateur ici, donc mode 1. Ça va me permettre d'aller vraiment tout doucement. Comme vous pouvez le voir, on a des grosses roues, on peut rouler un petit peu partout. Allez, mode 1. Je commence juste en accélérant, vitesse à 10 km/h. Au bout d'un moment, on a un régulateur donc, qui permet de pouvoir relâcher la poignée de gaz, faire en sorte que ça roule tout seul. C'est pareil, ensuite je peux freiner, ça désactive, et ensuite je peux pédaler. Donc là, à chaque fois, je suis sur la grosse vitesse, ça me permet de pédaler tranquillement, ou je peux modifier également 10 km/h. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous allez pouvoir assister, vous pouvez accélérer plus vite, mais quand vous dépassez les 10 km/h en vitesse 1, par exemple, c'est vous qui allez pédaler plus fort. Si vous restez aux alentours de 10 km/h, vous allez créer une assistance, cette fois-ci, au vélo. Donc, mode 1, 10 km/h. Vraiment balade très tranquille. Mode 2, ça accélère tout de suite beaucoup plus. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on va enclencher le pédalage, ça va aller à la vitesse maximum du mode. Donc là par exemple, mode 2, c'est 16 km/h. Donc soit je ne pédale pas et je fais juste de l'accélérateur qui va m'amener aux environs 16 km/h. Soit je vais pédaler et ça va m'amener à 16 km/h. Donc ce qui est bien, c'est que je peux faire juste le mouvement. Même si je n'aide pas le vélo, je fais juste le mouvement, comme il y a un capteur dans le pédalier, ça va permettre de faire en sorte que le vélo va rouler à 16 km/h quand même. Et là par exemple, j'ai juste le mouvement des jambes, mais je ne l'aide pas vraiment. Après, je peux l'aider un petit peu, ça, plus je l'aide, plus l'autonomie va être grande. Alors j'ai gonflé les pneus à deux barres, si vous voulez un petit peu plus de confort, vous pouvez dégonfler les pneus, on peut être à entre 1 bar 3 et 1 bar 6 pour un petit peu plus de confort. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a des flancs très très hauts, ça va permettre de ne pas pincer et de pouvoir jouer avec l'élasticité de ce pneu. Allez, on passe sur route, là ça devient bien plus confortable. On peut passer en mode 3, le mode 3 qui lui accélère tout de suite bien plus vite. Donc en mode 3, comme vous pouvez voir, hein, là je mouline beaucoup beaucoup. Je peux également toujours faire que de l'accélérateur. Comme vous voyez, là je suis en montée. Alors là, le but, c'est, ça va être d'aider le vélo pour ne pas justement faire en sorte de user toute la batterie le plus vite possible.
Et donc en mode 3, alors là je suis un petit peu en montée, on va regarder la vitesse de croisière. On est à 23 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Désolé pour le vent si ça souffle un petit peu. 23 km/h, ça reste plutôt agréable lorsqu'on roule. On arrive à 24. En fait, ce qui est bien, c'est que je peux me mettre toujours limite en 7ème vitesse, le plus dur, et le moteur va m'assister quasiment tout le temps. Alors, je vous avoue que dès qu'on va commencer à aller un petit peu vite, on va quand même très très vite mouliner assez rapidement. Le freinage, donc moi j'ai bien réglé mes freins, il faut bien roder les plaquettes, c'est comme sur une voiture, il va falloir roder les plaquettes au début de l'utilisation de ce vélo. Donc c'est des freins à disque, petit à petit, comme sur une voiture, on rôde les plaquettes. Ensuite, le freinage se fait de mieux en mieux. Alors, ce qui est bien, c'est de re-régler. Lorsqu'il est arrivé, j'ai dû peaufiner les réglages pour être à situation optimale. Allez, là je suis en mode 3, donc je pédale un petit peu, et le vélo relance de lui-même. Et en mode 3, voilà, aux alentours de 24 km/h. Comme je vous dis, soit je pédale comme ça, soit je peux faire que accélérer. Et ça ira très bien aussi. Et là, en restant que accéléré, j'ai également mon régulateur de vitesse qui s'active au bout d'un moment. Et je peux relâcher. Et c'est parti. Le but là, ça va être d'utiliser justement le vélo et pas d'utiliser le régulateur tout le temps avec juste l'accélérateur. C'est de faire un petit peu de sport aussi au minimum. On essaye tous les modes. On vient de passer le mode 3, le mode 4. Alors le mode 4, il va encore beaucoup plus vite. Donc là, comme vous pouvez le voir, 32 km/h, 33. Alors lui, le mec, il me colle comme je sais pas quoi. Ils s'en foutent les gens. Donc là, 33 km/h. Donc je mouline pas mal. C'est le vélo qui en fait énormément. Moi, je fais plus grand chose en vitesse 4. C'est vraiment le moteur qui m'assiste énormément. Alors moi, je vais l'aider un tout petit peu. Et clairement, là, je ne fais plus grand chose. Et pareil, toujours, je peux remettre avec ma poignée de gaz ici, comme sur un scooter, et je roule à 33 km/h. Ensuite, je peux continuer de pédaler, si je préfère pédaler. Le mode 5, lui, va vraiment à fond. Alors, clairement, le mode 5, regardez comment je mouline. Je suis à plus de 40, 43, 44, 45, 46 presque. Et clairement, ce mode-là, on n'a pas le droit de l'utiliser sur route en France, normalement. Là, je vous le fais pour la démo. Mais clairement, c'est beaucoup trop. J'ai fait, dans ce mode-là, accélération à 100% tout le temps, 34 km, ce qui était vraiment très très bien. Moi, je vais privilégier le mode 3. Le mode 3 qui est bien, 24 km/h. Ça me permet, moi, de pédaler un petit peu, de faire un minimum de sport et d'avoir de l'assistance. Et quand je suis un petit peu fatigué, en fait, le vélo va garder ce rythme des 24 km/h environ. Et moi, je peux, un minimum, faire du sport, ce qui est plutôt pas mal. Bon, le but maintenant, ça va être de vous faire un petit test d'autonomie. Donc, on est parti à 34,6 km. Donc, on va voir combien de temps je vais pouvoir utiliser ce vélo en assistance. Et je pense que je vais laisser le mode 3 comme ça. On va voir par rapport à ce qui est annoncé ce que ça donne. Donc le moteur à l'arrière, hein, 750 watts qui donne vraiment largement assez, mais pour moi là, 24 km/h, le mode 3, c'est vraiment l'idéal. Ça me permet de me balader et d'être dans la légalité. Donc le mode 3, je suis en dessous des 25 km/h, tout est parfait. Sans les moteurs, on a des grosses roues sur ce vélo. Donc, grosse roue dit beaucoup de frottement au sol, beaucoup d'accroche. Donc, on va forcément forcer un petit peu plus. Moins vous gonflez, plus ça va être dur de pédaler. Donc, l'idéal, c'est que si vous voulez pédaler vous-même, gonflez un petit peu plus les roues, ça va rouler beaucoup mieux. Si vous voulez dans le sable, dégonflez un peu. Mais à partir du moment où c'est moi qui pédale, effectivement, c'est un petit peu lourd parce qu'il y a quand même les batteries à transporter, plus un gros cadre, plus des grosses roues, mais ça se fait bien quand même. Donc là, par exemple, hop, je peux me mettre en 5 et je peux rouler à 20 km/h. Alors moi, je vous avoue, hein, j'ai un petit peu les cuisses de sportif, ça fait 25 ans que je fais du vélo. Donc ça se fait bien. Bon, je ne ferai pas 50 km comme ça sans assistance. Donc je me remets le mode 3, je me repasse mes vitesses et c'est le vélo qui va m'aider pas mal. Allez, on continue ce test. Bon, le vélo électrique, c'est
Important pourquoi ? C'est lorsqu'il y a des montées. Là par exemple, on est dans une belle côte et je vais pouvoir tester la montée avec ce vélo. Je suis toujours en mode 3. Merci monsieur. Le moteur m'assiste toujours pas mal. C'est impeccable. Je suis à 22 km/h environ, 21,9. Alors plus je vais aider le vélo, plus ça va le faire. Mais concrètement, il se débrouille très bien. Et regardez, je peux arrêter de pédaler. Accélérateur. Et le vélo va toujours rester à 21,6, 21,5 sans que je l'aide. Donc on a toujours ce mode. Je peux bien sûr toujours augmenter. Et regardez, là le vélo accélère. Il peut monter jusqu'à 35, 40 selon le type de montée. En tout cas, ça y va vraiment bien. Comme je vous dis, je reste toujours avec mon mode 3 pour rester dans les normes. En tout cas, ça se fait tellement bien. C'est agréable, cette côte, j'ai l'habitude de la faire. Bien là, je force quasiment pas. C'est vraiment très très agréable pour les montées, les vélos électriques. Allez, mode max, pédalage à fond. Regardez, ça monte. Là, je suis monté d'un pont. 41. Bon, j'avoue, je donne un petit peu sur les jambes également. 42, 43, 44, 45. Wouah! 47, est-ce qu'on se fait un petit 50? 49,5. Bon, c'est déjà pas mal, hein? Ça trace un petit peu déjà à 49,5. Hein. Je vous montre la grosse montée. Je vais laisser la puissance maximale sur le vélo. Et là, il y a une côte très très raide. Donc, j'aide un petit peu le vélo sur les départs. Regardez, je peux même m'arrêter, enfin quasiment. Et ça repart bien en électrique. Là, l'électrique m'aide énormément parce que ici, c'est vraiment raide. Regardez comme ça monte. Allez, je laisse le mode max. Je peux l'aider. Je peux passer la sixième. Et ça monte tout seul. Allez, regardez. Je n'ai plus du tout le vélo. Juste l'accélérateur. Alors, comme vous pouvez le voir, le vélo, il va gentiment. Mais il a besoin d'un petit coup de main parce que là, c'est vraiment très, très raide. Donc, je vais l'aider un petit peu. Mode max et je pédale. Là, clairement, sans l'assistance électrique, c'est très très dur cette côte. Surtout avec ce vélo, s'il n'y avait plus de batterie, j'aurais un petit peu souffert. Mais là, si je me donne un petit peu plus, je peux accélérer. Regardez, 25 en montée, 27, 30. En vélo, c'est pas easy non plus. Bon, là, Dieu merci, on a l'assistance mécanique. Ça va nous filer un vrai vrai coup de pouce. Donc dans les côtes, effectivement, si vous faites que de la montée, ça va user la batterie prématurément, un petit peu plus vite. Si vous faites que de la descente, vous n'allez rien consommer. Bon alors, 84 km, on est parti à... Oula, on va le laisser se calmer un petit peu. On est parti avec 34 km, donc ça veut dire 50 km. Et il me reste une barre de batterie. Il y a pas mal de montées. Vers la fin, fini le mode 3, 24 km/h, j'en pouvais plus. Donc mode 4, 30 km/h quasiment tout le temps. 30 km/h, c'est vraiment l'idéal, surtout quand on a ce genre de route ou qu'on est sur la route, parce que 25, bah, je trouve ça un petit peu lent. Moi, j'ai l'habitude de rouler entre 25 et 30 avec mes vélos musculaires. Donc 30, ça me va bien. Comme vous pouvez le voir, là, 14 km/h ici. Et si je réaccélère un petit peu, ce sera plus agréable. Donc, ce qui est bien, c'est que la puissance reste quasiment la même, même si on n'a plus énormément de batterie. Donc là, on est un petit peu en montée. On sent qu'on a perdu un petit peu sur la fin, mais là, il reste qu'une seule barre. Agréable. Donc 50 km, ça y est, c'est passé. On va aller faire, là, vous voyez, de la forêt, des petits chemins, voir ce que ça donne également sur les chemins. Et croyez-vous, il y a une barre qui viendrait apparaître. Donc retour à deux barres. Je vais jamais l'épuiser, cette batterie, c'est impressionnant. Hop, allez. Donc là, ce qui est bien. Alors, ça fait un petit peu de bruit à cause des garde-boue. C'est plutôt un vélo de ville ou de balade tranquille. Donc, on peut bien sûr faire ça, ce genre de chemin. Mais effectivement, il y a les petits bruits du garde-boue parce qu'il y a le câble qui tape dessus un petit peu. Alors, si je fais ça, ça va aller un petit peu mieux. Hop. Et ce qui est top, c'est que si vous êtes fatigué sur les chemins, vous pouvez utiliser le mode accélérateur. Bon, sur les chemins, comme je vous disais, si vous voulez faire plutôt ce type de chemin,
en mode balade, cool, dégonfler un petit peu les pneus, ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus confortable. Et la fourche, alors c'est pas ce genre de fourche haut de gamme, mais elle fait plutôt bien son job et elle amortit plutôt bien la plupart des défauts. Allez, go à fond sur les chemins. Donc là, je suis en mode scooter. Donc là, on a le droit, on est dans la forêt, on fait ce qu'on veut. Donc à 40 sur les chemins. Regardez, ça va bien. Wouhou ! Alors, ça bouge un petit peu. Mais bon, on est quand même à 40, hein. J'avoue que s'il y avait double suspension, ça aurait été parfait. Bon allez, là ici on a des petites bosses. Hop, wouhou, ça décolle en vrai. Allez, on va essayer de se faire tout ça. Allez, regardez, je vais me le faire qu'en mode accélérateur, en mode moto. Allez, hop, j'aurais peut-être dû baisser un petit peu la selle pour que ce soit plus maniable. Hop, comme vous pouvez le voir, hein, ça se fait. Et ça remonte. Alors, je vais vous faire juste un petit bond, hein. Pas toute la forêt comme ça. Hop, je vais repasser en mode 4, ça ira bien. Hop, j'ai ma petite lumière qui m'éclaire un petit peu pour quand il fera un petit peu plus sombre. Mais clairement, on sent qu'on peut le faire. Alors moi j'ai un petit peu d'expérience, c'est des chemins que je fais très très souvent ici. Mais c'est pas vraiment le vélo fait pour ça. Hein. Alors, 94 km, donc on a dit qu'on était parti à 34, ce truc semble inépuisable, on en a 60 km. La dernière barre de batterie reste quand même pas mal, je fais de la forêt depuis tout à l'heure. Pouf, je suis à donc 60 km depuis tout à l'heure. La selle en tout cas est très confortable, c'est agréable. Bon, on continue. Hein. Bon, ça y est, la batterie elle clignote, donc ça veut dire qu'elle est terminé, donc la charge est finie. Donc 96 km/h au compteur, on est parti avec 34,7, donc ce qui fait un résultat de 61,3 km en assistance. Donc on avait dit 34 km 100% électrique sans pédaler et 61,3 en pédalant. J'ai fait le début, on va dire les 20 premiers kilomètres avec le niveau 3 en roulant plutôt cool, 24, ensuite quasiment à 30 sur le niveau 4 et un petit peu de niveau 5 aussi. J'ai quasiment pas utilisé la poignée d'accélérateur, beaucoup d'accélération comme ça. Donc voilà, bon allez, on se prend pour un petit débrief, c'est parti. Pour le prix de ce vélo, il est à 1 500 € affiché de base. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je l'ai vu sur le site internet à 1 000 €, donc une belle réduction. Hein. Franchement, pour 1 000 €, je trouve que c'est un très très bon deal puisque la batterie tient bien, l'autonomie est top, le confort est vraiment bien, il a l'air plutôt rigide, c'est qualitatif. J'ai déjà vu des vélos plus chers, moins bien que ça. Donc voilà, petit truc que j'aurais aimé, c'est peut-être des freins à disque hydrauliques. Alors maintenant, on sait qu'on en a des pas trop chers, ça c'est quelque chose que vous pouvez changer peut-être à l'avenir, mais le frein à disque hydraulique, c'est vrai que ça aurait été un petit plus pour moi pour avoir un freinage un petit peu plus doux et un petit peu plus puissant. Après, normalement, ça suffit, mais voilà, ça aurait été plus un feeling et ça fait tout de suite un petit peu plus qualitatif d'avoir de l'hydraulique. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce vélo, je l'ai pas mal roulé, je l'ai prêté à des copains, ils ont adoré. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce vélo parce que c'est bien en fait, pour le prix qu'il vaut, je pense qu'on est quand même sur un vélo très très bien équipé et agréable à conduire, enfin à piloter, à rider quoi. En ville, ce sera le top, le petit porte-bagages. Le côté pliant, moi, j'ai pas forcément besoin du côté pliant, mais si vous en avez besoin, c'est vrai que ce sera un avantage, puisque on peut le rentrer dans l'appart, dans un petit coin, le plier assez facilement. Et voilà quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de petit vélo? Est-ce que vous voulez que je teste des comme ça, des un petit peu plus sportifs ou autres? Moi, je vous avoue que c'était fun à essayer. Bon, un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir des tests de voitures, de motos, de vélos, de trottinettes, de tout ce qui existe, de scooters, scooters électriques. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!